Salut à tous, c'est Semtex, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de roleplay sur Forza Horizon 3. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de me faire un maximum d'argent parce que j'en ai vraiment besoin. En fait j'ai envie de changer de voiture parce que je trouve que la M3 est un peu trop lourde dans les virages. Du coup il y a des moments où j'ai du mal à échapper aux flics. Peut-être même plus de mal avec la M3 qu'avec la Ford Fiesta, c'est ça qui est assez étonnant. Voilà, donc moi je suis pas trop véhicule de ligne droite. Je sais pas ce que je vais prendre comme prochain véhicule, mais si vous avez des idées à me proposer en commentaire, ça sera avec plaisir. Voilà, donc juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous préciser qu'il faut surtout pas que je me fasse arrêter pendant cette partie. Mais alors vraiment pas, parce que sinon je crois que je peux arrêter le RP tout de suite. Parce que là je vais rouler, donc en gros, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, donc j'ai perdu mon permis sur le roleplay. Donc du coup là je vais rouler sans permis, sans plaque parce que bah, comme j'ai pas le permis, enfin ça sert à rien. Je vais rouler à fond aussi pour parce que comme je l'ai dit, il faut que j'aille le plus vite possible pour faire mes livraisons. Donc vraiment je vais rouler à fond tout le temps. Je vais transporter que du illégal parce que ça rapporte plus. Donc voilà, faut vraiment pas que je me fasse arrêter parce que sinon le combo pas de plaque, pas de permis, transport illégal, vitesse bon, excessive et j'en passe. Voilà, je crois que là je me prendrai une amende vraiment monstrueuse et comme c'est assez dur de se faire des sous sur le roleplay, voilà, là je serai vraiment dans la merde. Donc voilà, vraiment juste un seul truc, faut pas que je me fasse arrêter de toute la session. Donc je vais essayer de faire du mieux possible. On est ok? Ouais. C'est bon. Ouais. 3. 2, 1, c'est parti. Les deux évoluent. On est parti à gauche. On a laissé les pneus, gars. C'est pas grave. On est parti sans les pneus. Vive les Purina. Qu'est-ce que... Bon ben, je vais réparer. Le mec il a essayé de me doubler, il y avait un civil qui arrivait, boum! Allez hop, je voiture HS dès manette. Le début. Ils sont trop au volant, c'est pas terrible. Putain, je sors à peine du parking et v'là que je répare déjà. Je sais pas dans quel état elles vont arriver les croquettes, mais. Je sais pas si elles seront comestibles à la fin, ouais. Pas trop. Une croquette, c'est pas fragile. C'est vrai. Il a chargé le camion, il prend feu. Comme ça, il est tranquille. Les portes, ils s'ouvrent, les croquettes sur l'autoroute. C'est en sac de 10 kilos, donc ça. Et voilà, vive les Purina. Oh, ça arrive trop en plus. Ah, voilà mon slogan. Livraison, me voilà, vive les Purina. Ça va être ça mon slogan. Pouh, j'ai fait me prendre la camionnette. Au moment où je la mets déportée sur la droite. Ah, parce que t'allais partir à droite. Ouais. Excuse. Et le Purina qui me suit de loin là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à côté de lui, je pense que je passe inaperçu. Donc une Mercedes noire, direction mine, à haute vitesse. Perdu. Sur 63 là, à côté. Non, j'entends des alarmes. Merde. Allez hop, au revoir. Ouais, t'es mort, hein. Puis le tâche, j'ai pas donné de net. Ouais, elle est beau, elle est pourrie. Non, alors là, non. Non, mais... Non, mais j'aime pas les casques. Faut juste avoir les bonnes modifs. T'as peut-être une connerie, toi. Il y avait un civil... Oh, ouais, la mécanique qui respecte pas. Un civil sur le bas-côté, là. Quoi, la véhicule gris, là, sur moi. Ah d'accord. Non. La 63, tu t'arrêtes. La 63. Comment dire que j'essaye de pas aller au-dessus de 150 parce que disons que t'as la Mégane et la Lexus qui sont autour de moi. Enfin qui sont un peu devant moi, mais j'essaye de respecter les limitations. De toute façon moi je suis à fond avec la Mégane donc.
Ah t'as à fond. Oh bah ça va alors. Non je fais la Mistou tu m'as perdu. Ah ouais mais je t'ai perdu. Donc il me semble que je crois par couleur assez bizarre on va dire. Direction mine. Eh ben j'ai le profil de route. Ah non en fait non ça va. Putain je t'ai pas passé par là, putain je t'ai passé. Ouais vous toussez. Pourquoi il faut passer dans les petites routes de campagne lui ouais. C'est bon je me suis planté de route qui me fait passer par les petites routes de campagne. Bon au moins le bon goût de la campagne vont faire ressortir le goût des croquettes. Et tous les chiens sauvages vont venir te chercher. Ah bah tous les petits chiens de chasse là, allez hop. Ah, tu sais, je vais faire une petite pause moi, j'ai envie de faire pipi. Tu sais quoi le véhicule devant moi, tu peux m'attendre. J'en avais marre d'être d'être encerclé. Ouais, bombarde voilà. De trop. C'est mon petit pipi en fait. A été fait. Une route, il me fait passer par un de ses détours. Oh là là, je peux te dire que. Là, c'est sur le camp, t'es en faire noir. Voyage, hein. Bah, la deuxième. De la noire. L'autre, je saute. Les gars, je suis à 60. T'arrêtes. Bon, bah, j'ai quand même accumulé. Il y a deux Mercedes C63 AMG, direction surfeur sur autoroute. Bon, perdu de vue, j'ai perdu les en visu. Je les ai en visu. Prends en charge la première. J'arrête, je tapais. Putain, bizarrement, c'est à chaque fois que je suis voleur qu'il pleut. Quoi. Oh. C'est pour que tu puisses pas trop être dans le notage. Juste derrière, t'as la deuxième qui se ramène. Et j'ai Proline qui est. La Mercedes, tu t'arrêtes aussi. La Mercedes de nazi là. Allemand. Putain, je suis à fond, là, les gars. Oh, je continue ma. Allez. Ah, tu peux. Continue ma ronde. Salaud. Et tu rigoles. Je double un flic en intervention. Oh là là. Ça. Ouais bon ok. Il me semble que c'est ça. Ouais. Bon, j'abandonne. Mercedes. Pas de problème. Je pourchasse la Mercedes avec des couleurs vives qui a l'air assez endommagée. Oui. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui. Petit contrôle. Papier oui. Clé du véhicule s'il vous plaît. Les voici. Vous savez pourquoi je ah vous arrête. Ah merde, j'ai oublié de mettre livré, bah absolument pas monsieur. Vous avez pas de plaque à l'arrière. Ah ouais. Elle est passée dans où ma voiture, hein. Ça va pas là. Ah elle a dû tomber en roulant, je suis désolé monsieur. Putain je viens de m'en rendre compte. Ouais faudra que j'aille en remettre une. Putain ouais. Je vais faire un contrôle, vous pouvez klaxonner s'il vous plaît. Oui. Bon par contre j'appelle tous les renforts possibles direction surfeur. On a deux C63 AMG Black Series qui ont l'air très endommagés en plein surfeur. Je vous redonne vos papiers, vos clés, remettez vite une plaque parce que. Ouais je vais y passer au garage dès que possible. Merci monsieur. Ça marche. C'est gentil de votre part. Allez, au revoir. Au revoir. Limite on est escorté. Voilà, première livraison effectuée. Donc là au final j'ai pas pu rouler très vite parce que j'étais assez surveillé par les flics. Mais bon j'ai pu livrer, j'ai été contrôlé une fois mais bon le flic m'a pas mis d'amende donc ça va, il a été cool. Maintenant je vais repartir pour Yara Valley. Donc là c'est des petites routes plus tranquilles et là je vais enfin pouvoir bombarder je pense. Donc voilà c'est parti en direction de Yara Valley.
vais ralentir dans la vide parce que... Hop. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, la fourgonnette, tu vas t'arrêter. Bonjour monsieur. Donc on va faire bonjour. Un petit contrat bien sûr. Hein. Ah bah, bien sûr. Ouais. Mmh. Et la contrôle, on va faire un petit contrôle aussi tant qu'à faire. Alors puis les clés, les papiers, s'il vous plaît. Oh putain. Tenez. Ok. Heureusement qu'il était déjà en contrôle. Je vais vous arrêter pour un excès de vitesse. Quel abruti. Mais pourtant, j'étais. Je vous ai vu arriver 130, assez vite et. Ah, j'étais à 130. Il pleut, monsieur, je redescends. 130, ah, 130, vous êtes 10 km/h. Merci la Mégane. Vitesse autorisée. Merci la Mégane. Ah, d'accord. Donc, je vais être gentil, je vous en vais 5 km. Et bon, ça fait toujours une 125. Donc, on va mettre une petite. Pendant une heure, 750 euros. Mais pas de point. D'accord, monsieur. Je veux savoir ce que vous aurez apporté. La... Je rappelle le transport des croquettes. On a construit une piste pour l'AMG dans les alentours de Surfer Paradise. Je vais demander à mon brigade d'intervention canine de venir. Ah, ils vont appeler les croquettes. Je suis en pleine course poursuite, les mecs. C'est sur qui? Nexus. Ah, bah d'accord. Elle va niquer. Ah, je sais pas, les croquettes. Ouais, regarde les chiens et apprends ce que tu veux. Cannabis. Ouh, ah, bah, dur. C'est des curies d'art. Ouh, là, monsieur, là. Et voilà, livraison effectuée, donc là je vais tout de suite repartir livrer à Surfer Paradise et je vais profiter du trajet pour vous afficher à l'écran toutes les règles du roleplay, comme ça, ça vous aidera d'une part à mieux comprendre les vidéos et vous pourrez aussi du coup vous servir des règles pour organiser vos propres parties de RP, donc je pense que ça peut être intéressant parce que vous êtes nombreux à me demander des explications sur le roleplay dans les commentaires parce que je vois que pas tout le monde comprend, donc voilà, je vais vous mettre ça pendant le trajet, donc c'est parti, direction Surfer Paradise. Parce que dans les croquettes, il y a une substance du cannabis, il faut que les croquettes deviennent meilleures. La mégane carte correctement, tu as bloqué ici. Donc moi je dis, ça mérite une petite réduction. Hein, parce que... Je vais quoi, je laisse la mégane véhicule et immobilisé pendant 2 minutes après le contrôle, bien sûr. D'accord. Non. Vous êtes sûr que vous voulez pas de petits capables, s'ils sont capables de mettre une amende, après, de nouveau, il faut oublier des choses, donc ça peut être à ton avantage, ça dépend. Ça dépend comment tu sens les choses. Observe. Je vous enlève l'amende pour l'excès de vitesse. Hein, 63 noirs, arrête. Je vous mets 20 000 euros d'amende pour 63 noirs, arrête. Allez, j'ai été gentil. Et je vous largue 10 kilos de croquettes pour vos chiens. Par contre, si vous retirez 2 000. Non. Voilà. Les gars, il y a une autre intervention. Et n'oubliez pas que sinon, on va le laisser pour de l'argent. Allez, bonne journée. Du coup, je reste sur le bord de la route là. Non mais vu le temps d'intervention qui part partout. Rigole. Ah merci. Bon, bonjour monsieur, savez-vous pourquoi je vous arrête? Enfin, je pense que vous savez pourquoi je vous arrête. Pourquoi vous avez été arrêté de force, si je puis dire. La livraison de croquettes un peu hallucinante a échoué. Fouillez votre véhicule si je peux me permettre. Si je peux me permettre, je vais devoir fouiller votre véhicule. Comment vous dire vous avez rencontré l'autre 1763, il a commencé à sortir des billets par la fenêtre, bah moi j'ai voulu les attraper. Ah bah oui, c'est sûr, mais bon, c'est pas une équipe valable pour faire du 300 km sur l'autoroute. J'étais en pleine intervention sur une autre 1763, vous me doublez par la gauche, oui, par la gauche, à 300, vous me doublez à 340. Alors excusez-moi, allez donc. Origine, je vais 4 mètres. Excusez-moi, vous m'avez doublé à 330 alors j'étais à 300. Ça m'arrive rarement de me faire doubler à 330. Là, du coup, je vous ai pris. Par contre, je vais devoir plier votre coffre. Parce que vous pouvez,
aucune transport grillé. Ce véhicule est un véhicule de transport de personnes VIP. J'appelle les chiennes quand même pour l'instant. Il y a personne, je transporte du VIP. Et voilà, livraison terminée. Donc là, on va tout de suite repartir en direction de la mine. Et je vais vous mettre la suite des règles pendant ce trajet, parce qu'il y en a énormément. Voilà, comme je le disais, c'est un mode de jeu très poussé. Donc forcément, on peut pas faire n'importe quoi. Et il y a beaucoup de trucs à savoir pour pouvoir jouer à ce mode de jeu. Ils m'en ont posé d'autres sur le tableau de bord pour que j'accélère. Mais par contre, je vais pas être point. Il vous reste combien de points sur le permis, monsieur? Oh, je sais pas. Il est pas complet, ça c'est sûr. Après, j'aurais une petite minute, mais en réalité, c'est quelqu'un de. Je vais être indulgent parce que c'est la première fois que je vous croise, mais c'est la première fois que je vous croise dans une situation assez banale. Déjà, je vais vous mettre les délits. Je comprends très bien, vous faites votre travail. Moi, j'ai voulu m'amuser, on m'a payé pour. Hein. Oui, ouais, j'espère juste qu'on vous a payé plus que ce que je vais vous mettre comme amende, parce que sinon, ce sera pas lucratif. Ah, bah ça, je sais que. Merci. Il essaie des plumes, comme on dit dans le jardin. Ok, bon déjà je vais vous mettre les véhicules. Je vais pas vous enlever de points parce que le terrain est plus compliqué à placer, c'est des rafales. Y'a qui sur le tour? Je vous dis franchement, pour pas perdre mon emploi, que j'ai pas de permis ou pas, je roulerai quand même. Je vous le dis franchement. Non, je suis quand même sympathique. Je vais vous mettre les 63 noirs derrière moi, Et un petit excès de vitesse majeur. Le reste, on va ne pas prendre en compte. La conduite dangereuse, les infractions code de la route, et tout le reste. On va pas bien contre-sens aussi, on va pas le prendre en compte. Donc ça va vous faire un minimum de deux. Non, on va pas vous le prendre en compte justement, même si vous m'avez fait un petit. Ça, je vais vous prendre le bénéfice et excès de vitesse majeure. Je vais pas vous foutre de vous, mais si vous comptez un contre-sens quand j'ai doublé des véhicules. Attention, la MG qui manœuvre. J'ai perdu le contrôle. Ah mais justement, c'est pour ça que je vous dis. C'est pas grave. Vu que vous avez pris compte d'un contresens quand j'ai doublé les véhicules, c'est pour ça que je vous le dis franchement. C'est pour ça que je ne l'ai pas compris. J'ai dû tracer des lignes continues, je l'assume. Voilà. Franchement, il n'y a pas de soucis. C'est suffisant. Vous n'avez pas les tâches quand même dans vos véhicules. Vous n'avez pas ça. On n'a pas le budget. Ah d'accord, vous avez le budget pour un Nexus, vous n'avez pas le budget pour une caméra. On n'a pas les mêmes valeurs. Mais je suis sûr, entre nous, votre collègue, il a la caméra, il roule en Mégane. Il a pas celui pour d'avoir la caméra. Ils ont dit, bon, tu roules en Mégane, vas-y, tu prends la caméra. C'est qui la bagnole qui arrive à fond sur moi là? Bon. Bon, je peux circuler, monsieur? 24 000 $ d'amende et 0 points de vie. Ah, vous êtes bien aimable. Tu vois des bonnes croquettes? Ah, c'est des croquettes Purina. Et que je vous vois plus, sinon je double la amende. Ouais. Bon. Alors, bah, c'était plutôt sympa. Je vous dis quand même à une revoyure, parce que voilà, un mec qui est assez acharné pour que j'accélère. Ok. Sur ce, bonne journée à vous. Bonne journée, bisous. Merde, c'est. Attends. J'ai un trou de part, faut rouler à gauche ou à droite? À gauche. Là, à droite, c'est le temps que j'envoie la main de la bordel de chibre. Allez. Oh putain! Oh merde! Quoi, t'arrêtes quoi, du coup? Putain, perte de contrôle. T'arrêtes quelqu'un, après tu notes l'amende et tout. C'est ça. Tu notes l'amende et tu l'envoies à la. Pas de dégâts? Non, c'est bon. Tu envoies le gamer tag de la personne. Ouais, voilà, si c'est arrêté chez Cher, tu l'envoies chez Cher et tu mets le gamer tag de la personne que tu arrêtes. Voilà, enfin des vrais flics. Enfin. Ah ouais, c'est chaud, je me suis fait chiquer 20 000 juste parce que je transportais des croquettes à l'île. Et voilà, livraison réussie sans aucun problème, à croire que les flics sont un poste café. Donc là, on va repartir pour Yara Valley. Donc je sais que je farme un peu les mêmes trajets, mais voilà, comme ça se passe bien pour l'instant et que j'essaye d'aller le plus vite possible, je vais continuer comme ça. Donc c'est parti, toujours la même chose, même trajet et transport illégal encore une fois.
la bombe que j'avais mis à Chicha. Enfin, la douche de la bombe. Je vais recommencer à aller ailleurs. Mais c'est hyper. Je l'ai arrêté, je lui ai enlevé le permis, je l'ai mis grosse amende et du coup je l'ai réarrêté. Du coup j'ai pris l'amende que j'avais fait avant, j'ai multiplié par deux vu que sans permis c'est multiplié. Ah tu sais, hier on a et fini coup, à trois flics quand j'ai été flic hier. On a tapé une amende, je sais plus combien, enfin bref on s'est à 3, chacun on a eu 33 000. Ah en fait. Ouais bah la dernière fois quand j'ai fait banquer 147 000 à Chicha, ça nous a fait du bien aussi. Ah ouais ça a fait du bien. Il reste 10 minutes je crois. Ouais 10 minutes les gars. Oh ça oh, va bah, ça va. Je m'en fous, je joue un peu le jeu quand même, je me fais arrêter parce que après c'est j'étais limite dans la cour. Trop d'argent. Sinon à faire de fou. Puis comme ça, ça vous fait profiter aussi un peu à vous quand même. C'est quand même normal. Moi je me fais plus facilement de l'argent que tous les autres joueurs. Ah, la nuit commence à tomber. Et tu vois la, la ah, vitesse où je me suis acheté ma... Quand tu vois la vitesse où je me suis acheté ma baraque. Baraque Obama. Ah la blague. Non. Je me suis stylé. Bon, rien à signaler pour mes collègues policiers. Non. Non, et rien. Oh, c'est dommage, je voulais faire des ventes spéciales depuis Réna, mais aucun flic n'est venu croiser. À part la Mitsu qui en a profité. Hein. Alors là. Ouais. Et bonjour, je suis un citoyen, je mets un petit message sur la radio de la police. Vous faites un barbecue ou comment ça se passe? Parce que. Là, franchement. Putain, ça fait 3 fois que je fais le tour de la map à 300, j'ai croisé jours, personne. Et voilà, une fois de plus, c'est livré sans problème. Donc on va tout de suite continuer à rusher et on va en profiter parce que pour l'instant, ça se présente vraiment très bien. Ouais, parce que la mine n'allait pas noire. Enfin, pas complètement. T'as pas pris ma plaque, en fait, Sky? Bah en fait, je savais pas si je pouvais compter ça par une plaque ou pas, parce que c'est là qu'il y a pas de plaque, c'est un autocollant. Bah c'est, je remets pas de plaque quand c'est une plaque. Et je commence pas à faire regretter mon choix d'avoir été sympa pour une fois. Enfin, pour une fois. Il y a que avec les riches que c'est pas sympa. Ah là, mec, je dis, hein, si je sais que le mec en face il a des ronds, je le fais manquer un maximum, mais comme il parle de ma petite, tu vois. Bah moi j'ai des ronds. Mais t'as pas de plus gros non plus, t'aurais fait une amende à 70 000, crois-moi que... Wow. T'aurais fait quand même mal. Moi quand je te parle de personnes riches, bah, 70 000 riches, c'est ont... Non mais quand je te parle de personnes riches, moi je parle d'un minimum. J'ai croisé les gars. Le van Purina. Il était plus vite que moi avec ma M3. Ouais putain, tu bombardais hein. Sinon les mecs, les croisés où le van... Parce que leur moteur il marche. Je suis passé à 320, à 380 devant les flics, ils étaient tous les deux arrêtés, il n'y en a pas un qui est parti. Non mais les flics ils dorment, il reste 7 minutes 30. Hein. Les flics. Bah tiens, on a perdu Bertos. Ah ouais. Pour ça que ouais, quand même je me fais arrêter. Un même trajet. Parce que t'imagines sinon la thune que je me ferais si je faisais. Oh merde. Que du transport. Ouais, attends deux secondes. Ah, je vais m'arrêter, je vais faire ça. Deux petites minutes. BM, deux fois. BM, trois fois. Poursuite engagée sur une BM blanche M3. Oh putain! Oh, je m'y attendais pas, ouais, il m'a fait peur et tout. Bon, heureusement, il m'a eu dans l'arrière, du coup, pas de dégâts au niveau du moteur, je pense. Il va direction le surfeur. Direction le H, exactement, il est dans surfeur. Ah bah, je suis trop loin, moi, je suis vers la mine. Plus 5 km, crash à yes. Yes. Oui. Oh putain, c'est rêche. Par contre, une BM sous la pluie pendant les poursuites, faut la tenir, la truc. Hein. Oh là là là. T'as une BM. Allez, avance. N'oublie pas qu'on est deux. Ah, bon, putain de civil. Bon, j'ai perdu la BM blanche. Yes. Yes. La C63 qui rentre sur l'autoroute, tu vas t'arrêter de te faire plaire. Puis une cachette. Une cachette. Oh, attention, je suis là, je reprends la route. Je m'arrête.
Attends. Non, c'est bon. Ok. Je crois que je l'ai bien semé. Je suis engagé sur une 63 MG Black Series sur autoroute en direction de Surfer Paradise. Putain, j'oublie toujours de. Elle est noire. Yes! Livré! Côté. Et voilà, c'est livré malgré un petit souci sur la fin. Bon, il était temps, j'ai envie de dire, parce que ça fait longtemps que j'avais pas croisé de voiture de police. Donc voilà, bon, on va tout de suite repartir et puis on va continuer à rusher un maximum. Il a... Non, mais il est vrai. Moi, je veux que la puissance, mais c'est. Ça n'a pas tant de puissance que ça. Moi, c'est vrai qu'au petit van, je t'appuie de 30. T'inquiète pas, je le sais qu'on a fait le coffre, je savais que t'étais à 230. Je comprends pas ce qu'il fait là en fait. Là, il fait nuit noire. On voit que dalle. Bon, je croyais qu'il allait s'arrêter, mais en fait, non. Putain, c'est dommage, j'ai pas de réglage. La C63 est partie sur une route vers le nord de la map. Il faut retirer, enfin, avec une tour. Il reste combien de temps de partie, Preda, s'il te plaît? 4:30. 4:30, oh, ça va, je peux finir ma petite livraison. Tranquillou. Sauf si un événement imprévu se présente. Comme une saison. Genre, si tu me croises, on peut faire un petit deal de. On peut faire un deal de croquette. Hein. Ouais, 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 pourquoi pas, hein, moi. Mais c'est chaud. J'en parlerai à mon chat. Et là, c'est quoi, 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 parce que les croquettes curry là, c'est de la haute qualité. Pour batterie en plus. Bon, après, avec la vitesse, ça se prend un petit peu secoué, mais c'est si bon. Leur arôme dégage. Quand t'as un CCP, du coup. C'est ce qu'on prend la nouvelle direction à nous, sur l'autoroute. Il a failli se prendre un CD. Non, non, je me suis pas tapé. Oh putain, il a fait demi-tour. Ouais, je roule à la française, ce qui dire à droite. Moi aussi. En plus c'est bien, il y a personne à surfer. M'en fous, limite j'attends qu'il ait plus d'essence et qu'il ait plus de pneus et après je le cueille sur une cuillère avec une cuillère d'argent. Avec tous les freinages d'urgence. Sinon il y a des flics sur surfer ou c'est mort? Moi je dirais plutôt il y a des flics sur l'autoroute. Ah bah attends, j'en ai deux. Ah bah j'ai un 63 quand je croise. Moi je l'ai littéralement croisé. Ouais, bah, ouais, mais ça m'aide en tout cas. Allez. C'est comme ça que je peux rouler à fond. Donc continue de les divertir, moi ça me va. À conseil, garde-toi parce que derrière ça arrive très vite. Et le contresens, t'as l'impression d'aller plus vite que dans le bon sens. Non mais c'est ce qui s'est passé quand on s'est croisé avec la M3. Vous avez fait de la poudre de croquette, c'est ça? Non, en fait il est passé à juste ses combien. On est pas passé loin, ouais, c'est vrai. Non parce qu'en fait j'étais en train de doubler. Hey, oh ça. Oh copain. T'es prêt? C'est un petit run. Ah ouais, allez. Bon, je vais perdre, je sais, mais bon, pour le fun, on parie rien. 5000. Vous êtes où? Attendez. Non, 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 pas 5000, je suis déjà en galère. J'ai une classe A. Attends, on fera ça plus tard. Hop, la BM, tu t'arrêtes. Ouais, tout de suite. Ensuite, engage.
Ah, il t'est tombé ou quoi? Il reste 40 secondes. J'ai tapé l'espèce de... Bon, t'es 5000. Moi je t'ai dit 5000. Mais t'es où? Attends, parce que moi je suis en train de m'enfuir. Non mais enfin, c'est bon, je l'ai semé, mais... Je sais pas où il est. Ah oui, que je t'ai semé. Ah bon, ça va. Je vais vous passer quelques croquettes pour que vous... Mais en fait, j'ai pas compris pourquoi t'as pas réussi à me suivre. Tu t'es pris un truc? Ouais, j'ai tapé le truc là, le transfo là. Ah, d'accord. Ça va. Voilà. T'as, j'ai eu de la chance. T'es où là? T'es où? Ah, t'es là. Là. Ah ouais, ici. Allez, là à droite, non? Ah, c'est la fin de la partie, mais on finit les livraisons et... Vas-y, un petit run ici. Mine surfer ou surfer mine? On tape le run. Attends, y'a un civil qui arrive. On fait un run et puis après je livre et c'est fini. 5000 chacun, on est d'accord? Fini, non, non, on parie rien, je sais que je vais perdre, c'est juste... Ah, moi je parie. Moi, je... C'est juste pour le fun. Non, t'es pas obligé de perdre. Bah, bien sûr que si, contre une C63... 5000, c'est pas bon. Je vais laisser les pneus sur place, moi, au démarrage. C'est bon, tu t'es... Ouais, pour moi c'est beaucoup, c'est beaucoup. Non, 1000, allez 1000, juste histoire de parier 1000. Tu veux que je te dise, mes pneus ils sont à 40% derrière. Bon, vas-y, on parie 3000 mais pas plus. Okay, j'ai fini ma livraison sans pouvoir arrêter une seule fois. 3. Quelqu'un fait le départ s'il vous plaît? Vous êtes où? Non, juste dire 3, 2, 1, go. La chatte, bon gueule, il y a 90. 2, 1, go. Allez. Alors, ma petite M3. Pour les policiers disponibles, la 63 est toujours... Ouais, t'as pas accéléré à fond. À si, si, j'accélère à fond. Ah ouais? Ok. Mais je te dis, j'ai le moteur, il a des dommages et tout. Il a pris un... Ah ouais, d'accord, c'est pour ça, bah, j'allais dire, c'est bizarre. Bon, bah, ouais, mais 3000. Allez, hop. Vers le nord de la map, direction satellite. Merci, monsieur. Bonne soirée. C'était un plaisir. Tu vois, Yann, tu vois, j'étais pas sûr, c'est pour ça que j'ai voulu jouer. Coup, ouais, ouais, ouais. Mais... Bon, bah, je suis content, je pensais vraiment pas gagner, c'est mais... Je sais pas si c'est... Mais c'est fini, les gars, c'est fini. Ouais, je finis ma livraison. Ouais, on va pas arrêter la poursuite, hein. Ouais, 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 ah ouais, on laisse finir les actions. Sachant qu'on est toujours en... Voilà, c'est bon. Poursuite avec la Merco. Moi, j'ai fini. Et voilà, la partie est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc là, vous avez pu voir que c'est vraiment très difficile de se faire de l'argent. Parce que je trouve que j'ai fait une très bonne partie. J'ai pu faire 7 livraisons, donc c'est quand même pas mal du tout. Je me suis pas pris d'amende sur toute la partie. J'ai gagné un run et au final j'ai gagné donc comme argent à peine plus de 10 000 euros, je sais pas combien exactement. Donc c'est pas pour tout de suite que je pourrais changer de voiture, à part si j'arrive à vendre ma M3 à un bon prix à un autre joueur du roleplay. De toute façon, je vous tiendrai au courant dans les vidéos suivantes. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde.